Blaise One Vete, vrai nom lycée Élisée Senora. Blaise One fête Port-au-Prince le 5 novembre 1983 dans une famille chrétienne, côté que papa Blaise One c'est un prédicateur. 5 novembre 2019 qui s'est passé à là, t'es fait Blaise One exactement 36 ans, qui voulait dire jusqu'à présent il est très jeune. Blaise One unique pour ne pas dire différent de n'importe l'autre rappeur haïtien, c'est tout simplement parce que Blaise One écrit sous sale ouais, sale tendé, sale vive et sale passé dans l'entourage li. Qui voulait dire majorité population en rejoignant en dans texte Blaise One. Et c'est ça tout qui vient causer majorité musique Blaise One fait gros succès, yo fait gros hit parce que yo toujours atteint attente grande population. Soit pendant la défendre nous contre gouvernement, soit pendant la parler de réalité chaque grain dans nous en tant que haïtien, ou soit pendant la mandé qui ça veut pour pays. Gen des milliers de raisons malgré manque de support envers Blaise One qui fait li rete youn nan pi gwo rapeur Haïti pa janm konnen. C'est peut-être toute raison ça yo jodi a m décidé raconter la petite histoire comment Blaise One fait devenir rappeur. On a le suivre. Vete. Janm fek so di a Blaise One fête Port-au-Prince le 5 novembre 1983. Les grandi dans une zone qui est Martissan. Donc probablement même sous poko visiter Martissan, ou capable contenté parler de lui. C'est très connu à Port-au-Prince. Blaise One fait études primaires dans collège Jean 13 et puis les Blaise One vient entrer dans secondaire, il vient commencer à consommer rap, plus spécifiquement rap créole. Et c'est là qu'il vient passionné de un rappeur qui est Master G. Pour monde qui pas connaît Master G considéré comme rappeur qui plus créatif dans la musique haïtienne nan. Et gen monde qui considéré comme le père du rap créole. Donc ça vaut la peine pour faire quelques petites recherches à propos de Master G. Il est quelqu'un de grande valeur. OK, bref. À cause de toute passion blazon pour Master G, il était venu commencer à confronter problème avec famille. Avec parents, j'aime te dire, papa Blaise One c'est un prédicateur, donc c'est pas ta jambe revio pour yon petit yon ap faire rap. Mais comme vouloir c'est pouvoir, donc rapide vite, Blaise One te vin commencer à faire ti rap li timidement. Blaise One te vin commencer à chamer élève dans l'école li, ak yon bon bel texte rimé. Et c'est là yon commencer à reconnaître talent Blaise One. Malgré tout l'amour Blaise One te vin gen pour rap, il pas de courir quitter l'école pour t'al faire rap. Après il t'est fin terminer études classiques li, il t'al suivi une formation en électrotechnique. En 2006, laisse Blaise One t'ai gain 23 ans, il t'ai gain remporté un concours titré La Riprop qui était organisé par Yele Haïti. Après ça, Blaise One t'ai vinn passer dans deux groupes rap qui c'est Most Deep qui voulait dire le plus profond et puis DBA qui c'est dernier bout en bas. Donc Maonzak dernier bout en bas moi-même. Et puis finalement, Blaise One t'a pral entrer dans un groupe qui relé NGS, Nouvelle Génération Squad. Dans groupe ça, t'es gain DRZ, CP, Colonel Gap, Tenas, Desas et puis bien entendu Blaise One. À travers groupe ça, Blaise One t'a gain chance participer dans un album. Il te gen chance tout participer dans des musiques qui te fait plus succès yo qui c'est Non Chef avec NGS 14-719. Ensuite en 2010, Blaise One vin décider faire rap pour compte li. En effet, li pa nan aucun groupe encore. Blaise One te vin décider lancer une carrière solo. Donc Blaise One te vin lancer première musique li qui titré Fédéral côté que l'a décrit réalité prisonnier yo. La parler de comment on moun vive en dans une prison en Haïti. Donc à cause de toute réalité qui gagne dans musique ça, toute vérité l'a dit yo, en pile moun te commencé à découvrir talent Blaise One parce que musique ça te font gros succès. Après ça, il te vinn lagué grand dossier, you nan pi gros musique dans carrière Blaise One côté que l'a parler de chaque zone te gagne tel chef gang, chaque quartier te gagne tel chef gang.
et puis qu'on y a là au cas où il parle encore, il était venu mourir tel genre. Donc moral musique ça, c'était juste pour faut connaître que chef gang ou pas, depuis ces bagarres gangster à régler, ou pas vivre trop longtemps. Donc musique ça a fait un gros éclat parce que musique c'est réalité le toujours parler. Après ça, il vient là et y a une qui titre pour femme, côté que l'a expliqué tout ça on est qu'à faire pour femme. Autrement dit, tout ça fait pour femme. Et puis tout juste après, il vient là histoire d'Haïti, côté l'a expliqué histoire pays d'Haïti depuis au début, côté Christophe Colomb était découvert Haïti le 5 décembre 1492 pour arriver jusqu'à Michel Martelly qui était actuel président de l'État sorti musique ça. Après ça, Blaise te vin la géographie d'Haïti, côté que l'a expliqué différents lieux nous gen dans pays noir, côté que l'a parlé de yo, l'a décrit yo. Donc sous fond remarque, ou après Blaise son moun qui remet science sociale en pile, li la histoire d'Haïti, li la géographie d'Haïti, il toujours a défendre nous contre gouvernement. Donc moi même personnellement, me sûr et certain que il était très fort dans classe. L'été l'école non matière ça que aurait les sciences sociales là. OK, bref. Après ça, Blaison te vin la gè remèd fè yo côté la ba importance plante yo gen nan pays a et qui ça ou encore qui maladie chaque plante ka guéri. Donc pour me citer ça seulement, toute population ont été en reconnaître Blaison comme une pigo rappeur en Haïti. Donc imaginez un artiste qui a fourni une info comme ça, qui a défendu contre gouvernement les gens besoin. Donc sans doute toute population était venue très apprécier Blaison. OK, pour continuer, Blaison sorti deux albums déjà dans carrière li qui c'est grand dossier avec décolonisation mentale. Donc malgré musique ça été sous album, en parlant de quelques nan musique me dit tout à l'heure, gien qui était sous album, malgré ou était sous album, ça pas empêcher population arriver consommer chaque grain nan yo particulièrement. Qui ça me veut dire par là? Me veut dire que Léon musique publié librement avec l'elle publié sous album, il pas fait même impact là sur population, il pas gain même taux de consommation, mais ça pas empêcher musique besoin yo malgré gen quelques nan yo qui était sous album pour population t'arriver consommer yo comme si yo était publié librement. Donc c'était épatant de voir Blaison vers le chemin du succès. Ensuite, même Jacques n'importe l'autre artiste quand il Blaison te vin pépère, ça veut dire les li la gen musique. Il a gagné musique à plusieurs reprises, mais il n'a pas vraiment fait hit, il n'a pas vraiment consommé au même genre qu'auparavant. Jusqu'au jour, il était venu là gagner un coquin chaîne musique, tout le monde compte ça, qui titre Lettre Conscience, publié le 1er juin 2019. Juste pas gagné mot pour me décrire éclat musique ça. C'est une très rare musique haïtienne qui atteint 1 million de vues sur YouTube sans le pas gagner vidéo, donc c'est juste inexplicable. Dans la musique, ça a besoin de voir une lettre à chaque grand président, commencé depuis sous Jean-Bertrand Aristide, pour arriver sous Jovenel Moïse, qui est président actuel, l'elle tape sur la musique. La musique, ça, c'est succès total. Tout le peuple a d'amour musique, ça. Mais composition Blaison c'est contre gouvernement, donc c'est logique qu'il y a des personnes physiques et morales liées au gouvernement qui ont fait petit boycottage. Mais comme grande population est avec Blaison, ça qui cause chaque grande musique Blaison lagé fait gros succès, il fait gros hit, écraser tout boycott. Blaison vient lagé en musique qui titre gaspiller l'argent, qui font paquet de bruit, il lagé écraser l'élite là. Si ça a seulement servi comme slogan pour fin année, probablement n'importe quoi toi pas son qu'attendre on m'a dit ou craser l'élite là. Donc ça c'est slogan Blaison lié à travers musique lié. Après ça, il vient lagué Anel. Donc musique la titre Anel fit Route Terrible. Yon l'autre musique que tout le monde apprécie. Donc Blaison kounya la chaque musique li lagué tout le monde est avec oreilles très attentionné pour y attendre musique ça. Gon artiste haïtien qui relé Asian Fresh cap évolué à l'étranger qui just remet travail Blaison nan et décide supporter le journée jodi a talent Blaison mette le wo et journée jodi a depuis on parler de rap conscient rap social ou doué citer non Blaison. Blaison l'artiste, Élisée Senora le personnage.